sec et musique à couper sec. Bon, ouais, Spontibus qui t'a frappé cette année, toi. Eh bien, comme tous les Vulcains, vous savez, je n'ai aucune émotion. Mais cependant, j'ai beau ne rien ressentir, mais quand je vois toute la publicité qui s'est faite autour du mariage de René Angélil et Céline Dion, et les 200 000 dollars que le séjour a dû payer pour avoir des photos, eh bien, fais chier, c'est... Tu vois pas qu'il y a une seule qui t'a passé dans le tarche cette année, toi? Non, il y a quand j'ai passé mes ciseaux à l'oreille là-bas, bête aussi. Mais tant qu'à y être, donc, t'es déjà passé à Marie-Soleil Dugas aussi. Et t'as passé une barre d'affaires à Tony Harding, qui est un bronco blanc à O.J. Simpson avec un couteau dans une coffre à gants, espèce de... Quoi? Espèce de... Capotouille? C'est ça, ouais. J'aime pas mal ça, ton accent. Tu viens de quelle région, toi? Je ne suis pas d'ici, je viens de la Suisse, mais j'ai un chalet à Bovenheit. Je suis capable de te faire pendant une demi-heure. Capitaine, attendez-moi. Ça rend bien pareil, un bronco. Par ailleurs, capitaine, quelle est la publicité qui vous a le plus marqué cette année? Sega! Par ailleurs, hein? Même Michel Louvain est allé passer l'audition pour cette pub-là parce qu'au lieu de Sega, il pensait que c'était Sega. Pitch, pitch.